Donc forcément, vous voyez quoi. Ok? Bon, alors, en général, vu qu'il y en a un des deux qui s'éloigne, eh ben, à un moment donné, sûrement qu'il y en a un des deux. Alors, il y en a, ils disent rien. Puis d'autres qui vont chercher à comprendre, forcément. Hein? Et bon, bah, à un moment donné, il y en a, c'est ce truc où ils se posent des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi, machin, bidule, hein? Et que, il y en a, ils vont te laisser sans rien te dire, que vous parliez ou plus. Certains, tu vas commencer à poser des questions. Si éventuellement il n'y aurait pas quelqu'un d'autre. Et il y en a qui vont te dire ouais, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, il y a quelqu'un d'autre. Ok? Alors, des fois, c'est vrai. Mais c'est pas toujours vrai. Non, pas toujours. Mais bon, là, il est certain que il peut y avoir un autre mec ou une autre nana, en tout cas, qui s'est interféré entre vous deux. Ça, c'est fort probable. Ok? Bon, alors, si tu es la pauvre nénette, bah, c'est une autre nénette qui s'est infiltrée entre vous deux. Ça, c'est sûr. Après, à moins que le mec ou la nana que tu aimes ait des tendances un peu. Bon, tu as compris. Sinon, c'est une nana. Une nana qui s'est infiltrée entre toi et lui. Si. Après, au niveau du choix ultime, moi, je pense que vous êtes réellement fait pour être ensemble. Et pas avec l'autre nana. Non, non. C'est l'inversion, par exemple, de toi. C'est inversé, quoi. C'est-à-dire, c'est. Cette autre nana, par exemple, si toi, voilà, toi t'es comme ça, ah ben l'autre c'est inverse, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Tu vois, toi, je sais pas, tu aimes parler, tu es vachement ouverte, l'autre nana pas du tout. Tu aimes rigoler, tu aimes parler, l'autre nana pas du tout. C'est vraiment jour-nuit. Tu vois ce que je veux dire? Ah, si, ça n'a rien à voir. C'est vraiment le jour et la nuit, tu vois. Toi, tu es l'inversion de l'autre, quoi. Ah ouais. C'est.